en Grèce, 9 Égyptiens accusés d'être impliqués dans l'un des naufrages de migrants les plus meurtriers en Méditerranée ont été acquittés par la justice. Peu après l'ouverture du procès à Kalamata ce 21 mai, la cour a déclaré que les 9 Égyptiens sont acquittés et que toutes les charges ont été abandonnées. Les avocats de la défense et la procureure avaient demandé que la cour se déclare incompétente car le naufrage intervenu dans la nuit du 13 au 14 juin 2023 s'est déroulé en dehors des eaux territoriales grecques à 87 km au large de Pylos. Les 9 Égyptiens accusés d'appartenance à une organisation criminelle et d'homicide par négligence encouraient la prison à perpétuité. La justice grecque leur reprochait également d'avoir facilité l'entrée illégale de migrants sur le territoire. L'affaire concerne le naufrage d'un chalutier parti de Libye avec plus de 700 migrants à bord en juin 2023. Avec plus de 500 morts, ce drame est l'un des naufrages les plus meurtriers survenus en Méditerranée. Avant l'ouverture du procès, des policiers et des groupes de défense de droits de l'homme se sont affrontés devant le tribunal de Kalamata.